Bienvenue sur Gossip Pimenté, la chaîne de tous les dossiers des célébrités et de faits divers. Avant tout, je t'invite à t'abonner par un clic sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification à côté pour être au parfum de toute l'actualité croustillante de tes stars préférées. Souleymane Tamagaté alias l'homme saga fait la une aujourd'hui pour une accusation de cybercriminalité. En effet, une dénommée Kyria Doucouré l'accuse d'avoir été un grand brouteur dans le passé à l'origine de la mort d'un Canadien appelé Bernard Beauchamp. De cette situation qui s'est déroulée en 2013, il en ressort que l'homme saga avait usé d'abus de faiblesse pour arnaquer le fameux Bernard Beauchamp via le net en Côte d'Ivoire. Bernard Beauchamp était l'ancien directeur général des tours Chanteclair et Souleymane lui aurait escroqué plusieurs milliers d'euros. Pire encore, Souleymane aurait fait venir le Canadien en Côte d'Ivoire après avoir gagné sa confiance. Et une fois arrivé à Abidjan, Bernard Beauchamp se serait fait bastonner et dépouiller de toutes ses cartes de crédit et de son chéquier où il en restera sans un sou. De retour au Canada, Bernard Beauchamp va en mourir car souffrant d'insuffisance rénale, il n'aura plus de quoi se soigner. Voici un mail où Bernard Beauchamp explique son vécu sous les griffes de l'homme saga. Je me suis rendu à la banque pour retirer de l'argent de façon à faire mon envoi comme prévu. J'étais au guichet extérieur et le guichet a gobé ma carte et ne l'a plus rendue. Je suis allé à l'intérieur et demandé des explications, c'est simple. À Abidjan, en plus de mon argent, on m'a aussi subtilisé des chèques en blanc de mon chéquier canadien et français. Et ces voleurs ont fait des chèques sur mes comptes canadiens et français. La banque a retourné les chèques pour insuffisance de fonds et a gelé à nouveau mon compte. Nous avons décidé de fermer mon compte pour éviter tout risque. Je suis sans un sou grâce à ce voleur de Souleymane Tamagaté qui se disait mon ami. Voilà la situation. Et après toutes ces accusations, Souleymane Tamagaté alias l'homme saga ne s'est pas abstenu de répondre. Il s'est défendu en disant qu'il n'avait jamais vu un brouteur opérer avec son propre nom. Nous attendons voir la suite de cette histoire, mais en attendant, partagez la vidéo et laissez en commentaire vos réactions et surtout restez scotchés sur Gossip Pimenté, votre chaîne de l'actualité de l'heure.